j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue dans notre sabbat délice. Jérémie 31, verset 3 dit « De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » La Bible dit que Dieu est amour. L'amour est la base sur laquelle Dieu agit. Cela signifie qu'aussi longtemps que Dieu existe, l'amour est le fondement de son gouvernement et action. Dans nos familles, l'amour est le socle sur lequel elle se repose. Nous en avons tous besoin pour avancer dans cette vie. Nous aimons nous sentir aimés, n'est-ce pas? On dit même que l'amour nous donne des ailes. La Bible se réfère à l'amour de Dieu comme quelque chose d'éternel, quelque chose sur lequel nous pouvons nous appuyer pour avancer. Reprenons des forces en ce sabbat délice dans la certitude de l'amour de Dieu pour nous et avançons. Bon sabbat, sabbat délice. Ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens. Nous avons besoin. Nous avons besoin de toi. En ce moment, oui, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et comment s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, en cet Seigneur, sois le centre de nos vies, le centre de nos vies. Comme un célèbre chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie.
souffle sur nous, Seigneur. Oh, oh. Nous avons besoin de toi. En ce moment, Seigneur, souffle sur nous, Seigneur. Psaume 31. Au chef des chantres. Psaume de David. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse. Et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles, et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme. Et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre. Pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour. Quand ils se concertent ensemble contre moi, ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus, qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté, que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de ton regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous tous qui espérez en l'Éternel. Amen. Tout.
Voici notre méditation. Bonne appréciation. C'est toujours avec plaisir que je vous salue, vous tous qui nous regardez en cet instant. Il vous est probablement déjà arrivé de vous sentir prisonnier de mauvaises habitudes qui représentent ou représentaient une menace pour votre santé,
Ou alors, vous vous êtes peut-être senti captif de certains traits de caractère préjudiciables à vos relations avec les personnes que vous aimez le plus. Si tel est le cas, j'aimerais vous dire que Dieu est capable de vous libérer, de vous délivrer de votre servitude. Quand l'Éternel délivra Israël de l'esclavage du pays d'Égypte, le sabbat, qui était déjà le mémorial de la création, devint en outre un mémorial de libération. En effet, le livre sacré dit ceci. Tu te souviendras que tu as été esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du sabbat. Deutéronome 5, verset 15. Le dessein du Seigneur était que s'il était observé comme il convient, le repos du sabbat hebdomadaire permettrait à l'homme de se libérer sans cesse de l'esclavage d'une Égypte qui dépasse les limites de pays, qui dépasse les limites d'une époque et qui englobe tous les pays et tous les temps. En effet, aujourd'hui, des hommes et des femmes ont besoin de s'affranchir de l'esclavage du péché, c'est-à-dire tout ce qui est éloigné de la volonté de Dieu présentée dans sa parole. Cela peut être la médisance, la jalousie, toute pratique sexuelle en dehors du plan de Dieu pour la famille, l'amour de l'argent, l'égoïsme, etc. La liste peut être encore plus longue. Mais quand nous l'envisageons à la lumière de la croix, le repos du sabbat apparaît comme un symbole particulier de la rédemption. Il est le mémorial de l'Exode grâce auquel nous sommes affranchis du péché par le sang précieux de Jésus-Christ. Tout comme Dieu dit à Pharaon « Laisse partir mon peuple », aujourd'hui, le Seigneur éprouve le même désir, le même engouement à libérer tout ce qui est maintenu captif par l'ennemi. S'il y a des choses contraires à la volonté de Dieu qui te maintiennent prisonnier, j'aimerais te dire que le repos du Christ dans le tombeau durant le sabbat t'offre la possibilité de recevoir et de faire l'expérience de l'affranchissement du péché, du pardon, de la paix et du repos du Christ. N'hésite pas à demander à Dieu de briser toute chaîne de ta vie. Ne lâche pas la main de Jésus. Sois béni et n'oublie pas que ton Rédempteur est vivant. Je n'ai pas à rougir, je n'ai pas honte de l'Évangile. Je sais en qui j'ai cru, et j'ai la ferme conviction qu'il me garde jusqu'au grand jour. Je sais qu'il m'a sauvé, son sang a couvert mes fautes. Je le crois, oui je crois. Oh,
Père céleste, merci pour ton amour et tes grâces. Merci pour ce sabbat. Merci pour ce moment que nous partageons ensemble. Merci pour tes bénédictions et que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Amen. Chers amis, nous vous remercions. Nous vous invitons déjà à notre prochain sabbat délices, vendredi à 18h.